L'économie britannique a réduit son rythme de croissance au cours du premier trimestre, alors que le Premier ministre David Cameron a axé sa campagne pour les élections législatives du 7 mai prochain sur sa capacité à garantir une reprise vigoureuse. Le produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 0,3% sur la période de janvier à mars par rapport au trimestre précédent lorsqu'il avait été de 0,6%. Les économistes tablaient en moyenne sur un rythme de croissance de 0,5%. La livre sterling s'est affaiblie face au dollar et à l'euro mardi après la publication de cette statistique.